Midi, soleil au zénith, et pourtant, vacanciers et habitués s'exposent. Le visage, je mets de la protection 30, par contre, sur le corps, mon œil 0. Je pense que c'est la peau qui supporte bien le soleil, parce qu'on n'est jamais rouge. La peau résiste jusqu'à un certain point. De temps en temps, ça brûle. Ça fait pas trop mal, mais bon, ça brûle quand même. Moi, je suis sensible au soleil. J'ai beau utiliser des protections solaires d'indice très élevé, je suis rouge. Et dans la région, le danger n'est pas que sur la plage. Même dans la rue, on va recevoir de façon involontaire un ensoleillement suffisant pour déclencher à terme et à long terme des cancers cutanés. Et pour nous, dermatologues, cette exposition volontaire, surtout entre 11h et 15h, doit être totalement évitée et proscrite, notamment pour les enfants. On en remet un peu, chouchou. Pour être efficace, la crème doit être appliquée généreusement toutes les 2 heures et il y a bien d'autres précautions à prendre. Un maillot bien protégé le corps. Et de l'eau pour les hydrater, parasol. J'utilise un chapeau parce que le soleil n'est pas bon pour le corps, pour la peau. Nous devons nous protéger tout le temps. L'exposition aux ultraviolets peut provoquer coups de soleil, vieillissement prématuré, allergies. Et dans les cas les plus graves, des cancers de la peau en France, on dépiste 15 000 nouveaux cas de mélanome chaque année.